On est à Hot Water Beach. C'est une plage en fait où il y a une source d'eau chaude qui est en dessous et ça remonte par quelques failles. Et en fait en creusant ça fait une espèce de jacuzzi qui se mélange à l'eau de mer parce que l'eau elle est à 66 degrés quand elle remonte directement, mais en se mélangeant avec l'eau de mer qui est là maintenant à 19 degrés, bah du coup ça fait une bonne température juste pour un jacuzzi. Et du coup on va aller essayer de trouver un petit trou pour se faire notre propre jacuzzi. Ok, donc on vient de trouver, en fait tu le sens avec les pieds là, si c'est chaud ou pas. Quand on vient de trouver, on a l'impression que c'est chaud. Là c'est chaud. Ah bah là voilà, c'est chaud. Donc juste là en fait on commence à creuser. Et puis bah on va faire un petit jacuzzi parce qu'après en fait on va aller chercher l'eau de la mer pour le mettre là. Donc allez, c'est parti. Bien 60 degrés facilement, en tout cas un bon 50. L'eau de la mer elle a 19. On attend juste que l'eau de la mer remonte pour pouvoir se mettre dans le jacuzzi. Ok, donc là on va tester. Oh. Ah c'est si bon. Je sais pas si on voit là mais ça fume de partout. Et la mer est juste là en fait. C'est super agréable. Un vrai jacuzzi quoi, c'est fou. En fait, faut arriver à la bonne heure parce que sinon c'est bondé de monde quoi. On arrivait, on était tout seul. Donc c'est vraiment bondé de monde, faut arriver assez tôt. 2 heures avant la marée basse, 2 heures après. Et puis après on creuse son trou. Donc là on est en chemin pour Cathedral Cove. C'est la plage où a été tournée une célèbre scène de Narnia avec une grande arche. Et du coup là on est en chemin, on longe tout Hawaii Beach. Pas Hawaii, n'importe quoi. Et après c'est une petite grimpette, il y en a pour environ 45 minutes. On entend bien le bruit des vagues à moi. Donc 45 minutes de marche tranquille. Et puis après bah on va arriver directement sur cette plage. Cathedral Cove. Pas beau ça? Avec toujours la population. Hein.